nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, jour d'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon. Une action collective est lancée contre la banque Laurentienne et les têtes roulent dans la haute direction. Une femme de 79 ans aurait été étranglée à mort par son conjoint dans une résidence pour personnes âgées et le procès civil de Donald Trump à New York débute. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Jour de partiel, jour de vote, enfin dans Jean Talon. Une course partielle, Mario, qui aurait été quand même beaucoup suivie dans les dernières semaines. Animé, absolument. Oui, avec un haut taux de participation déjà pour tout ce qui est là, de vote par anticipation. Ouais, on avait 39 % à 16 heures. Oui, ce qui est un bon taux, là, règle générale. Oui, oui, en fait, c'est plus que... À 16 heures, on avait déjà plus que toutes les élections partielles quasiment dans la région de Montréal. Oui, puis on s'entend, c'est pas élevé, hein, dans tous les cas. Pour la démocratie, on devrait pas se réjouir qu'on mais ait. Mais ça veut dire qu'on va approcher les 50%. Quand tout va être fini ce soir, on va approcher les 48, 49, 50%. Pour une partielle, c'est quand même pas mauvais. C'est pas mauvais du tout pour une partielle. Pour remplacer, on se souviendra, là, le siège laissé vacant par la députée caquiste Joëlle Boutin qui a démissionné le 19 juillet dernier. Alors, on a tous les candidats qui sont là, sur la ligne de départ. Bien évidemment, 5 sur les 10 qui se démarquent plus des 5 partis. Du moins, les 4 représentants à l'Assemblée nationale plus le Parti conservateur. Marie-Annick Chouari, qui est là pour la CAQ. Pour le Parti québécois, c'est Pascal Paradis. Québec solidaire représente Olivier Bolduc, qui a fini quand même deuxième aux élections générales dans la même circonscription. Parti libéral avec Élise Havard-Bernier et Jesse Robitaille pour le Parti conservateur du Québec. Donc, toute la soirée, ça va être à suivre, Mario. Oui, puis les chefs vont quand même être fébriles parce que ça va avoir un impact. D'abord, il va y avoir un gagnant. Si c'est la CAQ, ils vont dire, mais voyez, on a encore l'appui de la population. Si c'est le PQ, on va dire, mais voyez, la CAQ sont, comme ils l'ont dit durant la campagne, ils sont battables, puis le PQ, on est devenu la véritable alternative. Alors ça va être tout un coup pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu l'as dit, Québec solidaire a fini deuxième la dernière fois. Fait que si eux finissent ni premier ni deuxième, c'est un recul. C'est-à-dire qu'ils reculent dans les rangs. Et il y a quand même l'inquiétude. Bon, est-ce que les libéraux, on l'oublie, mais c'était un château fort libéral. Est-ce que les libéraux vont faire un bon résultat, se classer quelque part dans le peloton de tête? Ouais, puis pour le Parti conservateur. Avoir un pourcentage honorable. Parti conservateur, la semaine passée, le sondage les mettait en forte hausse à Québec. Oui, puis tout ça, évidemment, suivant l'échec du troisième lien, le tramway à Québec, où on se fait vraiment porte-parole du côté du Parti conservateur, là, par de l'opposition contre, Éric à ça. Un peu moins de pression, parce que, tu sais, Jean Talon, c'est la Haute-Ville, ça. Puis il y avait, dans la dernière élection générale, il n'y avait rien. Là, c'est un comté où il avait fini cinquième. Fait qu'il y a moins de pression, mais je suis d'accord que s'il arrivait flat, là, rien du tout, on va dire OK, mais en fait, son opposition au tramway, puis tout ça, ça rejoint pas beaucoup de monde. Fait que tu sais, tout le monde joue gros quand même. Puis moi, je retiens, c'est quand même une élection partielle où le premier ministre est allé lui-même faire du porte-à-porte. On n'a pas vu ça si souvent. Là. C'est quand même quelque chose qui reste exceptionnel. Là. Surtout à un moment où la coalition Avenir Québec est tellement majoritaire en termes de sièges. C'est pas comme si un de plus ou de moins, ça allait changer véritablement ce qu'eux font à l'Assemblée nationale. On s'entend sur le fond, sur la forme, il n'y a rien là. Mais par contre, si on est au niveau de l'apparence, comme tu le dis, puis de vouloir consolider les équipes, démontrer qu'on est encore bien assis dans le siège du pouvoir, mais pour François Legault, mais on n'a pas lésiné sur les moyens, comme tu le dis. Dans tous les cas, on aura des résultats plus tard ce soir. C'était une question de temps pour certains après la gestion de crise douteuse, je vais utiliser ce terme-là, arborée par la Banque Laurentienne qui, depuis la semaine dernière, a eu toutes sortes de problèmes. Pendant plus de 5 jours, on a eu une panne qui est venue déranger tout ce qui était système bancaire pour les particuliers. Les clients de la banque avaient de la difficulté à aller voir leur argent, à faire effectuer des paiements, malgré le fait, puis ça a été dénoncé par de nombreux usagers, que par contre, d'avoir des frais bancaires, ça continue à passer dans les comptes, puis malgré la promesse maintenant, mais de la Banque Laurentienne d'éponger tout ça. Il y a des têtes qui ont roulé. Ça a été annoncé plus tôt ce matin. La présidente et chef de la direction, Rania Llewellyn, qui, elle, a quitté ses fonctions. Le président du conseil d'administration, Michael Mueller,
a fait la même chose et donc a été remplacé par Éric Provost à la tête là, du siège de PDG de la banque Laurentienne, qui est arrivé ce matin, lui qui était responsable des services bancaires aux entreprises, aux particuliers. Puis lui, tout de suite, on l'a jeté dans la mêlée médiatique, Mario. Oui, mais il faut commencer par dire que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Tu sais, les banques, les grosses institutions prudentes et conservatrices qui aiment, t'sais, surtout les banques canadiennes, là, t'sais, dont on vante la stabilité partout sur Terre. Oui. Et que si on change de président d'habitude, là, c'est comme c'est prévu un an d'avance, puis c'est annoncé, puis on prépare l'opinion publique, puis on prépare les marchés financiers pour leur dire, regarde, là, tout va bien, il n'y a pas de panique, monsieur Untel, madame Untel prend sa retraite, voici, la succession est planifiée, tout va très bien. Là, t'as une semaine de merde. Le mot est bien. Puis durant la fin de semaine, tu dis, mais ça fait, il y a un côté, il y a un côté où ça fait un peu association étudiante. Là, en fin de semaine, là, on te les a sacrés dehors. Pis lundi on a fait une assemblée générale, puis on l'a démis de ses fonctions. C'est ça, puis lundi matin, on a deux nouveaux. Bon, une fois ça dit, est-ce qu'il y avait le choix, là? Moi, je pense qu'ils étaient en train de perdre la confiance de la clientèle. Et il y avait quand même un problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que leur clientèle est largement au Québec, des francophones du Québec. Puis, leur nouvelle PDG, elle pouvait pas venir en entrevue parce qu'elle parle pas un mot français. Oui. Puis, je suis même pas sûr qu'elle était au Québec. J'ai cru comprendre qu'elle a géré toute la crise la semaine passée de Toronto. C'est sûr que ça aide pas dans l'opinion publique. Donc là, je pense que c'est plus qu'un virage de personnalité. Là. Je pense qu'il y a comme un francophone qui reste à Montréal, qui va redonner au siège social de Montréal sa vraie signification, qui va pouvoir venir en entrevue. Puis t'as raison de le dire, il a commencé aujourd'hui. À 10h un matin, il était avec moi à LCN. Je pense qu'il était là à tous les postes. Il était à la radio. Il faisait une tournée médiatique. Puis moi, je l'ai bien aimé. Dans le sens que je sais pas s'il va faire, il va bien faire. Là, l'avenir nous le dira. Mais j'ai trouvé qu'il a donné des réponses franches, des réponses directes. En fait, ça fait déjà du bien d'avoir quelqu'un à qui on peut poser toutes les questions. Ouais, enfin, plusieurs jours, là, dans la crise. Ouais. Puis il est conscient. D'abord, je crois comprendre. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que la décision d'annuler les frais, là, les frais bancaires pour le mois de septembre, ils vont tous être remis aux clients. Ça, c'est sa décision. Ma première décision, c'est celle-là. Donc, on va tout rembourser les frais bancaires aux clients. Et là, dorénavant, c'est service à la clientèle, s'assurer. Ben, je pense que la priorité numéro un pour la banque, ben, à part d'un rétablissement là, des services informatiques impeccables, mais la priorité tout de suite après ça, c'est de pas perdre des clients. C'est de convaincre les gens qui étaient frustrés la semaine passée, qui ont été déçus de leur banque, qui vont être bien traités dorénavant, de rester fidèles. Ouais. Parce que c'est déjà une banque, c'est déjà la plus petite au Québec. Il fallait qu'ils perdent, je sais pas moi, le quart ou le tiers de leurs clients, se retrouverait en grande difficulté. Oui, ce serait pas facile, surtout que ben c'était une question de temps aussi pour qu'il y ait une action collective, là, de demander. Là, l'autorisation d'exercer une action collective a été lancée déjà par le cabinet d'avocats Lanvers Avocats, qui, eux, vont piloter un dossier qui concerne là, les 350 000 clients en entier de la banque Laurentienne. Faudra voir exactement là, de quoi il va y en retourner, combien on va exiger, puis sur quoi ça va se jouer, bien évidemment, mais c'est sûr que c'est pas le bout du trouble pour la banque. Mais à mon avis, tu peux pas gagner, à mon avis, les citoyens, tu peux pas gagner un recours collectif, une action collective sur la base d'un problème informatique, parce que toutes les entreprises en ont eu. Là. Ça peut, c'est comme, je pense qu'il est acquis à partir du moment où tu utilises des technologies que... Ça peut échouer. C'est ça. Ça peut avoir un bug. Là. Mais, il va falloir qu'il fasse la démonstration qu'il y a eu une espèce de négligence ou de laisser aller, là, pas fournir l'information, pas fournir des solutions. Et donc, que les gens ont subi un dommage de ça, là. Pas juste du bug informatique. Non, mais de la communication. C'est ça, de la façon dont on a géré la suite des choses. Remarque, les actions collectives, un matin, là, les bureaux d'avocats qui se spécialisent là-dedans, ils devaient jouer à qui va être le plus rapide, là. Oui. Parce que ça a dû taper toute la nuit, là, Mario, sur des clients. Parce que d'autres, ils jouent ça à pourcentage. Le bureau d'avocats joue ça à pourcentage. Puis un bureau d'avocats, mettons que celle-là se rendait à terme. Mettons les bureaux d'avocats qui ont gagné les recours collectifs sur les cigarettes. Tu comprends que ceux qui ont travaillé là-dessus, leur retraite est assurée, là. Oui. Ça rapporte beaucoup, là. Mais on pourra dire qu'ils ont travaillé des milliers d'heures bénévolement. C'est ça, le principe de faire d'action collective, c'est que le client ne paye pas. Mettons que tu représentes là, des milliers de citoyens qui ont été victimes de quelque chose, le client ne paye pas vraiment. Fait que t'es pas sûr d'avoir des revenus, mais... Mais si t'as des revenus... T'en as pas mal. Ouais.
c'est pas comme au casino que des fois tu gagnes juste 25 cents, là, tu comprends? Non. Si ta machine elle paye. Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, un homme de 81 ans aurait étranglé sa femme à mort au courant de la fin de semaine, histoire qui est survenue, puis c'est peut-être pour ça que ça surprend un peu, dans une résidence pour personnes âgées à Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. Tout ça, c'est arrivé samedi, vers l'heure du souper. Les patrouilleurs qui ont été appelés jusqu'à la résidence ressources de Lanaudière trouvent sur place deux personnes inconscientes, une femme de 79 ans puis son conjoint de 81 ans. La femme de 79 ans, elle, est morte sur place. Là, on comprend qu'elle a été étranglée. Elle a une corde enroulée autour du cou, un saignement à la tête à ce moment-là. Et on comprend donc qu'elle est décédée, étranglée, mais que son mari, lui, aurait consommé une grande quantité de médicaments, vraisemblablement pour se donner la mort après avoir commis lui-même l'acte en premier. Et là, on se retrouve, lui, aux soins intensifs encore maintenant. N'est pas décédé, finalement. On l'a mis aux soins intensifs, mais il semble que son état est stable. On va finir, bien évidemment, par l'interroger. Là, demeure le principal suspect dans cette affaire-là. On étudie les preuves autour de cette histoire, mais vraiment, Marion, ce qui a l'apparence maintenant d'un féminicide, il va falloir comprendre. Là. Évidemment, on peut pas se lancer dans trop de spéculations pour l'instant. Est-ce que c'est vraiment un meurtre de sang-froid? Est-ce qu'il aurait voulu peut-être abréger les souffrances de sa femme? Oui, parce que c'est un centre où il y a de l'Alzheimer. Là. Elle faisait de l'Alzheimer, semble-t-il, selon les témoignages. Ça, on l'a vu à quelques reprises. C'est pas permis par la loi, mais il y a des gens... Oui, on se comprend. C'est complètement illégal dans tous les cas, mais c'est quelque chose qui revient quand même une fois de temps en temps, des histoires comme ça qui, à défaut d'être légales, ben, vont faire chavirer des fois, ou du moins argumenter l'opinion publique sur la chose. Donc, ce sera à voir exactement. On a peu de détails pour évidemment, l'instant. Évidemment, si le monsieur survit, là, pour l'entrée, ce midi est encore soins intensif, là, ce qu'on disait. Donc. Absolument. Mais dans tous les cas, ben, les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour tenter de comprendre un peu ce qui a pu se passer. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Ça brassait pas mal à la Cour de Québec, Mario, alors qu'au Palais de justice, on avait déployé plus de constables spéciaux que d'habitude. Hein, les fameux policiers, le genre de policiers qu'on a dans les palais de justice, parce qu'on recevait un drôle de client, Monsieur Amoury Lapointe, 43 ans, qui est lui-même un citoyen souverain, Mario. On en a souvent parlé ensemble ici à l'émission. Mouvance complotiste de gens qui croient à tort, faut-il mentionner, que les lois ne s'appliquent pas à eux, que eux sont leurs propres citoyens souverains, sont leurs propres citoyens, eux les lois, ils ont jamais consenti à ça, fait que ça s'applique pas à eux. Souvent ils se font faire des mais faux souvent, documents. Tu sais que souvent eux-mêmes ils font des petites contradictions. Oui, ça arrive, Mario. Mettons qu'ils ont un accident là. Oui. Mais là la loi sur l'assurance hospitalisation s'applique. Oui. C'est drôle, ça. Pour faire un plat gratuit ou... C'est à la carte. C'est un système de loi à la carte pour beaucoup de gens qui vont s'identifier comme des soins souverains. Certaines bonnes lois, là, qui te donnent des services, des avantages... Ça s'applique. Ça s'applique. Oui. Ben, du moins, ça s'applique par défaut. Là, on en a besoin. Bref, c'est souvent très flou dans tout ça. Mais M. Amoury Lapointe, lui, 43 ans, subit son procès pour entrave après avoir omis de s'identifier, là, pendant une interception pour une infraction, là, toute banale au départ, de code de la sécurité routière. Tout ça se passe en avril dernier. Et là, on a, sur l'autoroute 20, lui, cet homme-là, circule 127 km/h. OK, donc c'est pas un événement complotiste. Il était pas dans une manifestation anti-vaccin. Pas du tout. Il est sur la route 20. Roule à 127 km/h. Policier passe à côté de lui, allume les gyrophares. Puis quand il arrive à sa hauteur, non seulement l'homme refuse complètement de s'immobiliser, mais fait des symboles de paix, là, les deux doigts de la victoire levés dans les airs, au policier, puis continue de rouler, comme si de rien n'était. Tout ça sur 7 km de temps. Finalement, se fait immobiliser par le policier, refuse de s'identifier, lui donne une carte d'identité qui le décrit comme Amoury Odd Edvinchit, qui évidemment ne le décrit pas du tout, une date de naissance qui est complètement incongrue, et ça indique dessus qu'il est fier membre des shérifs constitutionnels du Québec. Mario, les shérifs constitutionnels, qui est un organisme qui n'existe pas vraiment, bien évidemment, faut-il le mentionner, lui se met à expliquer que l'ONU lui a donné le droit d'être un représentant de la paix. Et là, il dit qu'il craint le policier, s'embarre dans son auto et il refuse que le policier le sorte. Finalement, se fait sortir de force, se fait fouiller, se fait arrêter par la suite. Et lui continue de maintenir, là, tout le long procès, que c'est lui
l'agent de la paix, dans le fond. Que lui, c'est un homme qui ne reconnaît pas cet officier politique. Lui est un officier de paix lui-même, se dit-il. Mais l'officier de police qui vient le chercher, officier politique, il ne reconnaît pas ça. Je ne suis pas politique, je suis de la terre. Un homme libre, un homme de paix, sous déclaration de droit, a-t-il expliqué. Bien évidemment, le juge Hubert Couture, dans cette histoire-là, ben, a rendu une décision, Mario, comme on dit, sur le banc. Hein? Il n'y a pas eu de délibéré, il n'y a pas eu à y réfléchir longtemps. Pour, tant qu'il y a du verdict que de la peine, tout de suite coupable. Mais ça s'est bien passé au panel de justice? Est-ce qu'il a obtempéré? Est-ce qu'il s'est comporté calmement? Lui a obtempéré alors qu'on lui a annoncé là, qu'il y avait 60 jours de détention là, qui venait s'ajouter, là, déjà 27 qui avaient passé depuis son arrestation. On va l'envoyer en prison pour ce qu'il a fait à ce moment-là. Okay, dans le fond, pour 7 kilomètres, ben... Moi, je considère toujours que la limite réelle est 118, là. Mettons, pour 9 km/h de trop, il fait de la prison. Là. Oui, absolument. Peut-être qu'il aurait été mieux de prendre son ticket, de le payer. Oui, sûrement, Mario. Mais la vingtaine de supporters qui étaient là, eux, pour le suivre et venir l'encourager, si on peut dire ça comme ça, au tribunal, eux ont causé pas mal de grabuge. Il y a été une vingtaine, comme je dis. Et là, à un certain moment, il y a un individu qui a été expulsé parce qu'il se lançait dans des grands discours sur le grand jury, mentionnait puis criait dans la salle de cour que tous les membres du barreau, ben, font partie d'une organisation criminelle, quelque chose qu'on a déjà entendu chez les citoyens souverains. Il y a même un deuxième homme, lui, qui a été placé en état d'arrestation. On le soupçonnait de porter sur lui un objet dissimulé qui pouvait être dangereux. Lui est libéré sous promesse de comparaître, là. Littéralement arrêté autour de tout ça. On avait déjà prévu le coup, puis il y avait plusieurs constables spéciaux sur place. Ça les montre au-delà du, peut-être du ridicule ou du rigolo. Un petit peu de cirque là, au palais de justice. Oui, puis c'est surtout malheureux, Mario, si... Ça peut sembler drôle au prime d'abord comme ça, puis leçon donnée pour quelqu'un comme ça qui est un citoyen souverain. Mais le problème, c'est qu'en plein milieu d'un moment où on a une pénurie de main-d'œuvre, particulièrement dans les tribunaux, qu'on parle d'engorgement des tribunaux, on est obligé de mobiliser plus de constables spéciaux, une ressource dont on manque déjà, mais pour des procès comme ça. Excuse-moi, le perdre plein de temps, tu devrais pas te ramasser en cours pour un ticket de vitesse de quelques kilomètres heure. Tu payes ton ticket, puis tu... Oui, mais quand on est quelqu'un d'assermenté comme agent de paix par l'ONU, Mario, des bien. Fois, on pense que ça s'applique pas à nous, tu comprends? Est-ce que l'ONU a confirmé? Pour l'instant, on attend toujours une confirmation oui, de l'ONU. Ça, hein? Économie. On a, Mario, des drôles de nouvelles économiques qui parviennent du Costco, et non pas pour leur vente ordinaire ou pour leur chiffre d'affaires qui a été fait dans la dernière année, non. C'est pour la popularité d'un de leurs produits qui, je t'avoue, moi, je n'avais aucune sainte idée que oui, c'était vendu chez Costco. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui disaient hey, « Costco vend ça ». Des plaquettes d'or, ouais. Comme des mini-lingots d'or, petites c'est une plaquettes. Ça représente une once d'or? Ouais, j'ai pas exactement le grammage, je peux le dire comme mais ça, là, ça le vaut poids. Cher. Mais je pense que c'est en once, je pense que c'est une once d'or. Ouais, mais une once d'or, c'est cher hein, en ce moment. Le prix de vente là, en date de la semaine dernière, c'était en dollars canadiens, 2670 l'once, à peu près, là, l'or, qui est une valeur, bien évidemment, refuge, souvent, qui est considéré par plusieurs comme un métal qui, que les marchés aient bien, que les marchés aient mal, mais ça garde à peu près une valeur qui est relativement stable, là, le prix de l'or. Puis c'est pour ça, semble-t-il, dans un moment où l'économie est, disons, chambranlante, vacillante ou inquiétante pour certains, ben, on a, ben, une très grande popularité, des petites plaquettes d'or comme ça. Et c'est ce qu'expliquait, entre autres, le Richard Galanti, qui est le directeur financier de Costco. Il dit, chaque fois qu'on en met là, sur notre site Internet, en quelques heures, bif, ça disparaît tellement qu'on est obligé de limiter à 2 plaquettes d'une once d'or pur. Chaque membre. Donc, on peut pas en acheter plus que ça. Mais c'est quand même 5 000 $ plus. Ben, 5 000 $. Il y a des gens qui en ont racheté plus. Ça a de l'air, Mario. On dirait. Mais on parce dirait... que tu peux en acheter de l'or, là. Il y a des spécialistes de ça... Même si c'est à ta banque, tu peux pas acheter de l'or. Après, la petite plaquette, faut que tu arranges chez vous. Si j'avais de l'or, je l'achèterais et je la laisserais entreposer quelque part. C'est-à-dire, je l'achèterais comme. Tu sais, quand t'achètes des actions, mettons, de la Banque nationale, là, t'as pas l'action chez vous comme un papier, ça c'est l'action. Puis si j'en ai 10, j'ai 10 papiers. Là. Oui. Façon, t'es là dans un compte, mais l'or, ça peut être pareil. Là. T'en achètes, mais. T'as pas nécessairement le lingot chez vous, là? Mais il y a des gens qui aiment avoir, là, ah, ouais, physiquement le lingot d'or chez eux. On n'a pas confiance au système. On n'a pas confiance au système. C'est ce qui se répercute. On parlait des citoyens souverains il y a quelques instants. C'est aussi une thématique qui revient une fois de temps en temps. On a tellement peu confiance en toutes les institutions qu'on va préférer avoir, là. Puis l'expression, là, monnaie sonnante et trébuchante, je pense qu'elle prend tout son sens à ce moment-là, d'avoir de l'or chez soi directement. Mais oui, effectivement, ça s'achète par d'autres manières. Sauf que l'or n'a pas pris beaucoup de valeur depuis 5-6 ans. Non, ça, peut-être pas, peut-être 4 ans. Ça a même reculé là, depuis la fin août, parce que les taux obligatoires ont remonté ouais, là, au long terme fin août, aux États-Unis. Mais même, je te dirais que l'or, mais attends, je l'ai devant moi, là.
T'sais, l'or était au niveau actuel, mettons, juste après la pandémie en 2020. Oui. Donc, plus... Disons que ça change. Période tranquille. Ça change, mais très peu. Puis c'est peut-être ce qui fait que ça a une certaine popularité. Puis qui aurait cru qu'on pouvait acheter ça? C'est chez Costco, Mario. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Sur l'actualité internationale maintenant, le procès civil de Donald Trump s'est ouvert aujourd'hui avec sa participation en personne, Mario, alors qu'il y a, on se rappellera, près de 91 là, accusations différentes qui visent l'ancien président aux États-Unis dans toutes sortes de causes judiciaires, civiles et autres. Mais là, habituellement, il se fait représenter par ses avocats. Quand il doit aller prendre le fameux mugshot, là, la photo, se rend, la prend, puis après ça, s'en va. Mais là, c'était sa présence physique à lui dans ces procès qui concernent la Trump Organization. Ben, il a fait comme une sorte de conférence de presse dans l'entrée du palais de justice, là, un discours finalement mi-politique, mi-explication sur sa cause. Ouais, mi-explication, ouais. Disons que ça avait un drôle de mérite alors qu'il a traité la procureure générale dans cette histoire-là, Leticia James, de procureur raciste contre lui, a dénoncé encore une fois chasse aux sorcières, spectacle d'horreur, simulacre. Toute la justice c'était corrompu, là. Oui, absolument. On est rendu à ce point-là, là, dans le cas de M. Trump, qui, là, cette fois-ci, c'est un procès au civil qu'il vise, là. On comprendra que c'est son empire économique qui se retrouve dans la mire. Il pourra pas faire de prison du tout pour ça, mais pourrait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Sachant que, pour M. Trump, c'est les actifs de ses sociétés, là, et de ses bâtiments, entre autres, qu'on a changé, là. Évaluait plus haut ou plus bas, dépendamment, du jour ou du marché, des propriétés qu'il avait, quelque chose qui est bien évidemment complètement illégal. Et là, ça pourrait mal se passer pour lui parce qu'on pourrait confisquer certains même de ses bâtiments, dont la fameuse Trump Tower. Ou pire, lui interdire carrément, en plus, de faire des affaires dans tout l'État de New York. Oui, parce que là, c'est déjà ce qu'on a demandé du côté du juge dans le procès. Le retrait des licences commerciales pour l'État de New York à Donald Trump, ainsi que Eric et Donald Trump Jr., là, qui sont ses deux enfants. Et après ça, ce serait, comme je disais, la Trump Tower, entre autres, qui serait visée, et d'autres bâtiments de M. Trump qu'on pourrait, là, ni plus ni moins, que confisquer par la suite. Donc, un endroit qui est hautement symbolique pour M. Trump, sa fameuse tour dans le district financier à Manhattan, qui pourrait y passer, ce serait quelque chose. Donc, ça explique quand même en partie, Mario, là, sa présence à lui physique aujourd'hui au procès. Ouais, mais... Tu sais, mettons, j'écoutais son discours. Puis ça, il répète, on le sait, une chasse aux sorcières, puis la justice est toute politique. Mais ça marche. Oui, ses appuis descendent pas, Mario? Non, absolument pas. Ses appuis sont solides. Puis il y a comme... On a l'impression qu'il y a un Américain sur deux ou presque qui croit ça, qui voit que c'est ça qui se passe. Là. C'est difficile à croire, peut-être, de notre côté de la frontière, Mario. Mais en ce moment, les gens qui suivent Trump, je pense qu'ils en ont cure des accusations puis du nombre de multiplications de procès qu'on va faire contre lui. En terminant, Mario, nouvelle poursuite pour diffamation qui vient viser... Un autre excentrique milliardaire, on peut le dire comme ça, Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, qui se retrouve visé par cette action contre lui en ce moment, qui est menée, entre autres, par le même avocat qui a poussé le procès contre Alex Jones, qui a, bien évidemment, en diffamation pendant des années, traîné dans la boue le nom des parents, entre autres, d'enfants qui avaient été tués dans la tuerie de Sandy Hook, a écopé là, de centaines de millions de dollars de dommages dans cette histoire-là. Et là, cette fois-ci, c'est le cas où on poursuit pour Ben Brody, jeune homme de 22 ans qui est un homme d'origine juive de Californie. Un cas qui remonte à cet été, assez spécial, merci. Je te résume ça rapidement. On avait deux groupes de néo-nazis, de suprémacistes blancs qui allaient, disons, chahuter une soirée pour les LGBTQ+, qui se passait en Oregon, à Oregon City. Les Proud Boys et les Rose City Nationalists. Affrontement entre les deux groupes néo-nazis en pleine rue. Là, vraiment une bagarre là, à coups de poing. Ils étaient réunis pour aller pour la même cause, mais ils se sont battus entre eux. Se sont battus entre eux, ça arrive souvent quand on parle de groupuscules ou de groupes d'extrême droite comme ça. Et un membre des Rose City Nationalists s'est fait arracher son masque, parce que bien évidemment, Mario, ils vont là, sont fiers d'être des néo-nazis, mais ils n'osent pas montrer leur visage. Et là, on révèle le visage, et dans un groupe, là, quelques jours plus tard, un groupe sur le web qui fait partie eux-mêmes là, d'un groupe de suprémacistes blancs qui se nomme les Groypers, un homme se met à repartager les images d'un jeune homme, Ben Brody,
qui est en Californie, non pas en Oregon, et qui montre là, sur son profil, qui était écrit d'école, qu'il veut travailler pour le gouvernement plus tard. Et là, dit, regardez, ça c'est la preuve que c'est une opération de faux drapeau, qu'on a un agent gouvernemental qui veut faire mal paraître nos groupes d'extrême droite et qui s'est joint à cette manifestation-là et qui décide de commencer à amplifier sur plusieurs jours tout ça, Elon Musk, qui reprend la théorie complotiste poussée par un groupe nationaliste d'extrême droite. Sauf que ce jeune gars-là, il est jamais allé à ce manif-là, il est pas là-dedans. Lui-même a dû, parce qu'il a commencé à se faire menacer de mort, harceler, insulter, lui-même il a commencé à publier une vidéo dans laquelle il montre même les reçus d'un restaurant en Californie où il est allé souper ce soir-là en disant « Regardez, j'étais là. » Il a même demandé aux caméras de sécurité du restaurant qu'on lui donne cette vidéo-là pour prouver tout ça. Et malgré tout, et malgré le fait que M. Musk se fait taguer dans des publications où on démontre ça, qu'il s'est envoyé des messages en disant « Regarde, tu fais fausse route », a continué sur plusieurs jours en le visant directement à repartager des publications comme ça. Il a été obligé de déménager, là? Oui, et bien avec sa famille, semble-t-il, là, qui ont été obligés de quitter leur foyer tellement ils se faisaient harceler. Donc, M. Musk va devoir répondre de tout ça devant un tribunal. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.